Alors, là où il y avait, vous voyez, un équipement semi-collectif, on est dans une dynamique d'hyper-individualisation de la consommation. Et la société d'hyperconsommation, c'est ça. C'est celle qui va individualiser les comportements par des appareils qui sont à la disposition de chacun. Les conséquences de ça, c'est en effet une individualisation extrême des pratiques. Est-il que finalement, il faut je crois, bien comprendre que le bonheur n'est pas une chose. Ça, c'est une chose. Alors, ce verre, il reste un verre et tel qu'il est, il ne bouge pas. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est un sentiment. Et un sentiment, comme le disait Bergson, c'est pas un objet, ça vit. Et comme toute vie, ça reste pas identique. C'est ce que tout le monde vit, on est parfois. C'est des va-et-vient en permanence, à la limite, chaque minute, les choses peuvent sentir aller très vite. Le bonheur n'est pas quelque chose que nous dominons. C'est le bonheur qui nous domine, ou qui nous s'éloigne de nous. Il faut pas inverser les choses. Mais je crois qu'il n'y a pas de solution définitive à la question du bonheur, parce qu'encore une fois, le bonheur n'est pas une chose. Ce n'est pas une chose comme de déplacer un objet et le remplacer par un autre. C'est une chose qui se vit. Et la vie, eh bien, c'est elle qui nous domine et pas nous qui dominons la vie. L'objectif que nous devons donc nous fixer, c'est une politique des passions, une pédagogie des passions qui donne aux hommes la passion d'entreprendre, de faire des choses, de créer, d'imaginer, de combattre pour des tas de raisons, ça n'a pas d'importance, lesquelles? Et par là même, la passion consommative recule. À repenser le sens de l'éducation, de l'école, qui doit fournir aux jeunes des outils pour qu'ils puissent dans la vie avoir des passions constructives, des passions qui les font aimer les choses autres que la consommation, les marques, la mode et autres choses qui, encore une fois, ne sont pas le diable, mais ce n'est pas non plus un idéal à donner à l'être humain.